Good morning, allez Yiden, l'étude aujourd'hui, les Lunishmat, Richard Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal et Olga Bat Solvanish. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine vidéo, Michel, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Ta'anit, Perek Gimel, Mishnah Vav, Maase, Sheyerdouz, Kenim, Yerushalayim, Le Arehem, Vegazo Ta'anit al Shenir, A, Kemelo, Pitanur, Shidafon, Be Ashkelon. Vod Gazo Ta'anit al Shachluze Evim, Shnei Tinokot, Be Ever Yarden. Rabbi Yossi Omer, lo al she'achlu, el al she'nir'a. On a, bien sûr, dans tout ce chapitre, on s'intéresse à définir qui doit jeûner concrètement lorsqu'il y a une catastrophe, une épidémie, des dangers. On a vu dans la Mishnah précédente qu'il y a certaines catastrophes, certaines makotes, des plaies mobiles, on avait appelé ça, certaines makotes, qui ont une tendance à facilement se propager. Lorsqu'il y a un risque de propagation, dans ce cas-là, c'est tout le monde qui se met à jeûner, c'est pas que la ville concernée. En temps normal, c'est la ville concernée, et les autres villes des alentours, soit elles se contentent de jeûner, soit elles se contentent de prier. Tandis que dans la ville, on jeûne et on fait les tfilotes particulières avec tout le système qu'on avait vu, et pour trois jeûnes. Bet, he, bet, yom sheni, yom sheni, yom chamshi, yom sheni. Dès qu'il y a un problème, on jeûne comme ça, trois fois, avec interruption entre les deux, donc lundi, jeudi, lundi, pour la ville concernée, on jeûne, on fait les tfilotes, les villes des alentours, on a vu une marque de Rabbi Akiva Chachamim, on en aura besoin pour la prochaine Mishnah, c'est pour ça que je le rappelle aussi, tandis que pour certaines autres épidémies ou makot qu'on avait évoquées dans la Mishnah précédente, alors c'est toutes les villes des alentours, même qui sont tout autour, qui doivent jeûner parce que c'est toutes sortes de catastrophes qui peuvent facilement se propager aux alentours, donc on est tous concernés dans le même zut, même s'il y en a spécialement qui sont déjà enfoncés et d'autres qui sont sur le point d'y tomber. D'accord? Ça, c'est le principe général. Du coup, la Mishnah va nous raconter deux histoires, avec, effectivement, deux cas où on a décrété des jeûnes et des tfilotes à tout le monde. Pourquoi? Maase she'erduz kenim mirushalayim la'areim. Il y a eu, une fois, un épisode où il y a eu des zkenim, il y avait des vieux sages du Sanhedrin de Yerushalayim qui ont quitté Yerushalayim pour redescendre, aller dans leur ville. Et quoi? Vegazru ta'anit, et ils ont décrété un jeûne, Al-Shenir'a Kemelo Pitanur Shidafon, Be Ashkelon. Et ils ont vu, donc ils sont partis jusqu'à Ashkelon. Lorsqu'ils sont à Ashkelon, c'est comme aujourd'hui, c'était considéré comme la bande de Gaza. C'était considéré comme Khutzlaaretz et une ville occupée par les Plishtim, initialement. Les Palestiniens aujourd'hui, est-ce que c'est le même peuple ou pas? Bonne question. En tout cas, c'était les Plishtim qui étaient à Ashkelon. Et quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Ils ont vu une petite quantité, au fur et au total, un mélopitanour, de quoi remplir une bouche de fourneau. On va expliquer après c'est quoi. Mais ils ont vu, en tout cas, de quoi remplir une bouche de fourneau de blé qui était frappé de Shidafon. Shidafon, c'est la fameuse catastrophe qui fait que les épis de blé sont vides. Soit parce qu'il y a un vent qui fait tomber les graines, soit parce que ça ne pousse pas. Mitroknot, il y a un vent qui est un vent dangereux, quoi, qui fait tomber les graines, qui les éparpille. Du coup, on récupère du blé vide. C'est-à-dire, si ça se propage, ça va. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à dire que c'est simplement un vent, mais c'est sûrement être plutôt une sorte de microbe ou de, je sais pas quoi, une maladie qui frappe, en tout cas qui frappe les récoltes. Et donc dans ce cas-là, là, c'est la famine totale, Chas v'Shalom, si ça se propage, et ça peut se propager, donc, en l'occurrence, c'est pour ça que les amis ont décrété, qu'ils ont vu une petite quantité relativement, mais que ça a commencé, alors là, ils ont dit, c'est tout, on tire toutes les alarmes tout de suite, et on décrète les jeûnes. Ils ont décrété donc le jeûne avec les jeûnes avec les tfilotes. C'est quoi exactement cette quantité de quoi remplir un tanour? En fait, tu prends une récolte, quand en normal, avec tant de litres de blé, tu avais la capacité de remplir un fourneau de pain. S'il y a eu une telle quantité de blé qui a été frappée, ouais, l'équivalent, je sais pas, imaginez, 20 litres de 20 litres d'épis de blé, qui va faire que maintenant, avec ça, tu vas pouvoir fabriquer, je sais pas, 5 kilos de farine, 3 kilos de farine, et de quoi remplir un fourneau. Il y avait les fourneaux de l'époque. Ça, c'est la quantité requise pour dire que là, ça y est, on tire les alarmes et on organise. On décrète tout de suite des jeûnes et on décrète des tfilotes publiques. Autre histoire, Veod Gazru Ta'anit. Et encore, ils ont aussi décrété un autre jeûne.
Al-Shachlou Ze'evim Shne Tinokot Be'ever Yarden. Sur le fait qu'il y a eu deux loups qui ont dévoré deux enfants, Be'ever Yarden, qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Soit, en fait, on réalise qu'en ce moment, en théorie, là alors l'Agma l'explique, qu'en théorie, les bêtes féroces même des forêts, tout ça, n'approchent pas les villes, ils ont peur. Il y a une crainte. Si toutefois, il y a, en ce moment, on remarque que les loups, ils rentrent dans la ville, au point d'avoir dévoré même deux enfants, ça signifie qu'en ce moment, ils ont le quartier libre, chez les loups, c'est la folie, ils vont se mettre à nous rentrer dans la ville et à faire des catastrophes encore plus. On tire l'alarme aussi tout de suite. C'est comme ce qu'on a vu dans la mission précédente, la Chaya Ra'a, qui avait les bêtes féroces que maintenant, ils se permettent d'entrer dans la ville et faire des dégâts. En théorie, ils craignent l'homme, ils n'ont pas envie de la fonder. Si en ce moment ils le font, c'est qu'en ce moment, ils reçoivent ils ont un esprit, ou je sais pas, ils se communiquent entre eux que ça y est, quoi, il faut attaquer l'homme. Donc dans ce cas-là, il faut tout de suite tirer les armes. Et toutes les villes qu'ils ont concernées. Ça, c'est de Pratanakama, on parle que concrètement, on raconte l'histoire qu'il y a eu concrètement, qu'ils ont mangé, ils ont attaqué et tué deux enfants. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi pense que Lo'al Shachlo, El Al Shenir'a. On parle que ils n'ont même pas dévoré les hommes, les bébés. Pas du tout. Mais simplement le Shenir'a, ils se sont permis d'apparaître en pleine rue, aux yeux de tous, alors que normalement ils se cachent parce qu'ils ont peur d'être chassés. Là en ce moment tu regardes qu'ils sont très audacieux, effrontés, ils osent se promener en pleine rue comme ça dans tout le monde, même s'ils n'ont pas fait de dégâts pour le moment, c'est qu'en ce moment ça y est, ils ont pris du cran et ils vont commencer à attaquer l'homme dans pas longtemps. Donc déjà on tire l'alarme et on décrète les trois jeunes, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.